Ouais, ici Bosch, je viens d'arriver en ville. Bonsoir, boss. Vous allez bien, messieurs, pour cette belle journée? Très bien. On est un peu perdu, mais ça va. Bon, je vais prendre un petit peu de taxi et vous me tenez au courant s'il y a quelque chose, monsieur. Et ben voilà. Affirmatif. Ouais, y a encore un peu de mal de crâne en ville. Toujours à cause des ponts? Non, là c'est au niveau du parking central. Ouais, donc comme hier. Oui, je suis en ville. Ouais, j'emmène Black avec moi, on va discuter un peu. Ok, tu me tiendras au courant. Viens service taxi si tu veux venir. Bon, j'arrive. Ça va être dur d'attendre. Okay, messieurs, j'ai une bonne nouvelle. Ah ouais, ça va être dur d'attendre. Ouais, on a le traitement de la cocaïne. Bien joué, tu viens de le trouver là? Non, c'était un point qu'on avait déjà, mais vu que j'avais pas les poches pleines avant, je pouvais pas traiter quelque chose que j'en avais pas. D'accord, et alors ça rapporte des gros sous-sous ou pas? Ah bah j'en sais rien, j'ai pas le vendeur. J'ai pas l'acheteur. Ok. Bah attends, je vais aller revoir un autre homme et peut-être que lui va m'acheter. On verra bien. Ouais, lisez bien tout ce qu'il y a sur les tableaux, s'il vous plaît. C'est très très important. Et je suis en GoPro, faites attention. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oula, oui, bonsoir monsieur. Ouais, je suis bien alors au service? Bah là, j'allais prendre ma petite pause. Eh, vous avez bien raison. Content d'avoir le boulot? Ah oui, hein, content. Hein. Bon, bah super. Bon, bah, ça fait un moment que je suis là, longtemps. Ouais, je sais, mais bon, je me renseigne un peu sur les employés. Ah, vous avez raison. Bon, vous êtes un excellent patron. Ça vous plaise, en tout cas. Bah merci beaucoup. Vous avez votre prime, c'est bon, il y a une semaine. Ah oui, monsieur Vantag m'a donné ma prime. Monsieur Vantag vous a donné à votre prime, super. Ouais. Bah merci, passez un bon pot. D'accord, bon, bah bonne soirée, monsieur McGregan. Vous allez bien, monsieur? Ça va, vous? Ouais, ça va. De quoi? Je vais voir une personne. J'arrive à lui vendre, messieurs. Ça va, Jabline? On aura des choses à faire. C'était mieux, Balthazar, c'était plus sympathique. Ah, je sais pas, c'est ta moustache qui me pose. Ah, attendez, et là, c'est très bien. Et ben, si on peut le faire dès ce soir, je viendrai avec vous. Wesh, pourquoi il est habillé comme ça, Louis? Bah, parce que j'en sais rien. Okay. Bon, écoute, Aladdin, tu fais quoi là? Là, j'ai fait. Ouais, j'ai fait du service depuis tout à l'heure. Ça fait 1h30. Tu veux te lancer un peu avec. Je suis à 4 km. Tu peux GoPro. Pas, pourquoi? Bah, GoPro. Là, c'est trop sensible. GoPro, je veux pas. Absolument. Ouais, non. Je l'ai fait en journée, aucun problème. Mais GoPro, le soir, pas possible. Ok. Va sortir quelques petites infos alors sur ce qui se passe en ville et tout. Ouais, pas de problème. Savoir un petit peu qui a quoi, si tu vois ce que je veux dire, dans les autres groupes ou autres. Est-ce que tu sais si les bikers sont là? Bikers, non. Par contre, je sais qu'on a vu des whites traîner sur les secteurs et apparemment il y a d'autres groupes aussi qui traînent et il faut faire gaffe. Mais tant qu'on n'a pas tout, on peut pas tirer des conclusions et il faut qu'on fasse vraiment très très attention à tout. Bien sûr. Et après on verra, après YOLO comme on dit chez nous, hein. Bien sûr. Okay. Bon bah merci à toi. Allez, bonne soirée à plus. Bonne soirée. Bon monsieur Born, venez avec moi s'il vous plaît. Ouais. Montez derrière parce qu'on va faire quelques clients par la même occasion et les clients malheureusement... Ils ont tendance à vite vous dégager de la voiture. Ouais, radio, t'es bientôt là ou pas? Ok, je soupçonne que l'autre personne que j'ai trouvée, ce soit le traitement de Widas. Attendez, je voulais pas fermer ma moto. Mets-le dans le tableau. T'es sûr de monter devant? On va faire quelques clients. Ah, je vais me faire jeter. T'aurais pu fermer la porte. Ce sera plus rapide pour les clients. Voilà, montez derrière, restez derrière. Voilà. Bon messieurs, on va faire une petite balade et faire quelques clients. Comment vas-tu? Ça va, tu t'es remis de tes émotions? Ouais, ça va. Fais gaffe, une mauvaise réponse, c'est un doigt. Une mauvaise réponse, c'est un doigt. Tu t'es bien remis de tes émotions alors? Ouais. Ça va, on te charrie, putain, arrête de chialer, bordel. Eh, on veut pas des oulettes, la table des oulettes, c'est pas chez nous, tu le sais, hein. Non, c'est bon. Voilà, tu vas t'en remettre, t'inquiète pas. Bon, t'as quelqu'un qui te cherche des problèmes ou pas en ville? Non, du tout. Ok. S'il y a quoi que ce soit, t'oublie pas de partager, hein. Toutes les questions et les réponses qu'on t'a dit sont hyper importantes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pareil pour l'éthique et le sens moral du groupe. Essaye de pas les oublier. T'en prends pas à des gens qui ont rien fait, tu vois ou pas? Ouais, c'est clair. Voilà. Si jamais tu viens à faire une situation, parce que je sais que tu traînes beaucoup avec Souffre et avec... bref, avec tout le monde. Si jamais tu viens à une situation, je vais dire une bêtise, il y a 50 000 $ à se faire, d'accord? Mais pour faire ces 50 000 $, vous devez prendre en otage, on va dire, Ashley. Est-ce que tu vois c'est qui Ashley? Ouais, c'est lui qui travaille à la banque. Voilà, c'est ça, exactement. C'est un petit exemple que je te donne, d'accord? Le prends pas pour acquis. Hein. Cette dame, elle vous a rien fait. On est d'accord. Donc il va falloir lui estroquer et lui sortir les 50 000 sans pour autant la tremper dans l'acide. T'as compris le truc? Ouais. Voilà. Par contre, si jamais t'es dans une cave avec une salope qui s'en est pris à un des membres du groupe, ou toi, là tu peux lui faire affaire les pires souffrances. Ça roule ou pas? Ça roule. Ça va, t'es motivé? Tu commences à reprendre des couleurs? Motivé, ouais.
Bon, tant mieux. Est-ce que t'es au courant pour les nouvelles infos concernant la drogue? Oui, on m'a mis au parfum, j'ai déjà trouvé quelques points aussi. T'as aussi trouvé quelques points? Bon, c'est très bien. Mo. Notre ami Black, il va se concentrer sur les drogues aussi, je suppose. Bah oui. Non mais tant mieux justement. Est-ce que t'as une GoPro? Négatif. Bon, c'est très bien pour nous ça alors. Ok, super. Bon bah voilà, on voulait juste te parler. Moi, t'as des questions ou pas pour lui? Ou t'as des affirmations à lui donner? Ou de l'aide ou autre? S'il y a quoi que ce soit, faut vraiment que tu partages avec nous aussi la radio. On est d'accord que maintenant t'as accès à la radio comme n'importe qui. Sois dessus. Tu parles que si t'as des choses importantes à dire qui peuvent concerner n'importe qui par contre. Tu vois ou pas? Ouais. En termes d'information, ouais. C'est important. Parle pas pour rien dans la radio, mais n'hésite pas à parler quand même. N'hésite pas, quand t'as bien reçu une information, à le confirmer et à l'affirmer. Ok. Et n'oublie pas que comme chaque membre de ce groupe, t'as signé ton arrêt de mort dès que t'es rentré dedans. C'est ça. Donc ta vie est constamment en jeu. Oublie pas aussi que des gens vont en avoir après nous. Nous, autant on a un sens moral et une éthique, autant des autres groupes n'ont pas ce sens moral et sont pas cette éthique. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en gros, des gens, si jamais ils savent que t'es potentiellement proche des Rainbow, ou alors dedans carrément, ils vont certainement vouloir ta mort. Tu vois où je veux en venir ou pas? Ouais, je vois. Voilà. Donc tu feras attention. Pareil. Là, on a visage découvert. On s'appelle pas Black, Boss, Tutti Quanti. Le boss, le vrai boss de Rainbow, il est derrière, il est juste à côté de toi. C'est bon. D'ailleurs, je vais te poser une série de 20 questions actuellement. À combien? Lichari, évidemment. Panique pas. Donc, le vrai boss ici, c'est Poison. Il est juste à côté de toi. Moi, si je m'appelle Boss, c'est parce que les gens croient que c'est moi le boss. Mais c'est pas moi le boss, d'accord? Donc, si t'as un doute, quoi que ce soit, sur une OP ou quoi que ce soit d'autre, tu vas parler à Poison. C'est très important. C'est pas à moi qu'il faut parler. C'est lui qui te dira si tu le fais ou non. C'est lui qui te donnera la validation. Ok, très bien. C'est enregistré? Tu le savais déjà, je suppose. Bah, vous me l'avez dit, ouais. Le rendez-vous. Voilà. Mais c'est toujours bon de répéter. N'oublie pas que t'as eu quand même quelques réponses un petit peu faussées. Oui, c'est bien que t'es retenu, ça d'ailleurs. Je suis surpris. Donc, tu parleras à Poison s'il y a quoi que ce soit. Autre chose, quand tu parles à la radio, fais comme si tu parlais au taxi, d'accord? C'est-à-dire que si jamais tu dois sortir des blues, des souffles, des boss, tout ça, et que quelqu'un t'entend, tu préviens immédiatement la personne que son pseudo, il doit la changer. Ok, très bien. Tu vois ce que je veux dire? Si par mégarde ça arrive, ça peut arriver. Hein, dans le groupe, ils l'ont déjà fait. D'ailleurs, Rip Dawson, hein, pour ses nombreuses boulettes, ancien pilote pro. Si jamais tu dis par exemple Blue et que quelqu'un t'a potentiellement entendu à côté, tu prends pas de risque, tu l'informes, il change de pseudo. Évite de faire des boulettes de manière à ce qu'on change pas de pseudo tous les jours non plus. Parce que ça devient vite un bordel. Non, c'est bien compris. Voilà. Concernant les tableaux, parce que t'as tout ton mot à dire que tous nous autres, d'accord? T'es vraiment officiellement dans les Rainbow maintenant. Concernant le tableau, tu écris ce que tu veux. Néanmoins, sur ce tableau, t'as bien vu, il faut signer. Sinon, on peut pas savoir qui l'a écrit. Voilà. Compris. Ça veut dire que si t'écris « Vous êtes des salopes », je te dis une bêtise, évidemment, tu l'écriras pas non plus. Mais si t'écris ça et que tu signes pas, on pourra pas savoir qui c'est. Mais si t'écris « Vous êtes des salopes », signé Black, bon, t'as compris. C'est compris, ouais. Bon, je te redépose où? Au service taxi, j'ai ma moto. Je voulais avoir aussi un petit peu ton avis et tout ce que tu pensais de tout ça, là. Explique-nous un peu ton ressenti et tout. On veut savoir à quoi tu penses. Oh, pas grand chose. Tu penses à rien? Ouais, des radios, évitez les parkings centrales pour ce soir. C'est apparemment c'est gros mal de crâne pour tout le monde. Bien pris. Okay. Bah, n'y va pas alors. Ouais, on va faire un détour. Donc vas-y, dis-nous un petit peu ton ressenti, à quoi tu penses. Si t'as des questions sur le groupe, c'est maintenant. On va pas faire ça tous les jours. Non, c'est bon, tout est clair pour moi. T'es sûr? Ouais, ouais. Okay. C'est ça qui me fait penser, là. Vas-y, dis. Regarde sa tête, on dirait pas Ron Joyce, l'ancien capitaine. Ah, Ron Joyce. Ouais. Le capitaine. Ouais. Attends. Regarde ton rétro. Ouais, mais attends. Attends, tu trouves pas qu'il y a beaucoup de voitures de flics, quand même? Attends, hein, je vais m'éloigner avant de faire le con. T'as changé de coupe de cheveux, c'est ça? Non, c'est mes cheveux qui ont poussé. Bon, attends, je m'absente mentalement. Est-ce que t'es sûr que t'as pas de questions? N'aie pas honte. On va pas te couper de doigts. C'est fini, tout ça. Non, pour l'instant, j'ai pas de questions. Même si j'en ai, j'hésite pas. Est-ce que tu nous en veux? Non, j'ai compris. Tu nous en veux ou pas? Sois franc, t'as plus de doigts à perdre. Non, je vous en veux pas. T'es sûr? Je sais qu'il y a eu une histoire de faucheuse, on m'en a parlé sur Twitter, mais c'est pas moi. Une histoire de faucheuse? Et pourquoi ça? Ouais, sur Twitter. Bah, c'est un mec qui veut s'en prendre au taxi, et White avait des doutes par rapport à moi. Ouais, c'est normal de douter, on t'a pas vu pendant une semaine et demie. Mais là, il y a plus de raison de douter, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il me semble que la faucheuse est morte. Ah ouais, j'ai vu. D'après les rubriques nécrologiques. Allez, monsieur. T'as jusqu'au service taxi pour voir s'il te reste des questions ou pas. Sinon, hésite pas, tu peux commencer à faire de la drogue. Hésite pas à parler à la radio, c'est important aussi pour communiquer ensemble. Surtout pour la drogue. Et est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le fonctionnement de la drogue, d'ailleurs? Alors, apparemment, il y a des panneaux qu'on a trouvé un peu partout sur l'île. Ouais, ça, je m'en souviens. Et ces panneaux donnent un code. On sait pas encore à quoi correspond ce code. Ah, et par chaque panneau donne un code différent. À quoi correspond le code? D'accord. Je suis de retour, Eternaut. Donc là, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez pas?
On a pas mal de panneaux dans le nord et dans la ville, j'ai commencé à en trouver quelques-uns. D'accord. Est-ce que t'es sûr que ces panneaux n'étaient pas là avant? Non, ils n'étaient pas là pour la plupart. On les avait pas vus. D'accord. Bon bah c'est très bien alors. Mais par contre, on n'a aucun point complet, c'est ça? Est-ce que tu sais si ça rotate toutes les heures, tous les jours, toutes les 6 heures? C'est dans le tableau. Ouais, sur le tableau, il y a vraiment beaucoup d'informations. Ok, je vais voir ça alors. Bah, vous avez bien bossé, vous avez fait ça quand cet après-midi, c'est ça? Ouais. Très bien. Bah, j'irai lire le tableau juste après. Bon, je le ramène au service taxi, moi je te ramène au service taxi aussi. Ouais. Tu fais quoi toi, moi, tout à l'heure? Brutalix. Brutalix, tu vas faire de la drogue ou pas? Ça dépend. Ok. S'ils ont tout, pourquoi pas? Non, je crois qu'il manque juste le point de revente si je m'amuse. Ouais, voilà. Mais au pire, j'ai un nouvel appart. T'as un nouvel appartement? Ouais, j'ai rendu le bureau, j'ai pris un appart. Combien tu le payes par mois? 369. Oh putain, ça a monté. Ouais, mais c'est un petit appart de luxe. Sympa. D'accord, bon, c'est un nouveau bureau alors? Ouais. Putain, 360, ça pique quand même. Ouais, mais le bureau, je l'avais pris en attendant qu'il soit disponible, cet appart. Et encore, c'est pas vraiment celui que je veux. Donc bon, je prends un peu de service. Allez, messieurs, à très vite. Moi, je vais continuer les recherches. Ça marche, oubliez pas les radios, messieurs. Ouais, très bien. C'est Aliana, mes couilles là. Oui, allô? Oui, bonjour, vous allez bien? Bien, et vous? Ça va, vous avez toujours besoin d'un taxi ou pas? Ben non, justement, c'est bon, en fait, j'ai retrouvé ma voiture à Pétaouchnok, là, donc après... Pétaouchnok, c'est vers où, ça? Oula, là où on veut. J'ai retrouvé au milieu de la route. Oui, Pétaouchnok, c'est là où vous le sentez, quoi. D'accord, ok, je connaissais pas ça. Ça vient de vous quel pays, pas, ça? Ouais, ça vient du fin fond de la Cambrousse. D'accord, c'est une expression, alors? Oui, il y a des petites interférences, on dirait. Ouais, des interférences à Pétaouchnok, non? C'est ça, Pétaouchnok. C'est toujours la même chose. Vous connaissez vraiment ou pas? Non, je connais pas, non. C'est bizarre. Oh là là, quel Pokesden. Et moi, je vous le dis, on n'est pas sorti de l'auberge avec tout ça. Quel quoi? Pokesden? Allô? Ouais, putain, je suis à deux doigts de mourir. Va falloir que tu règles ton téléphone, putain. Ah, genre, mais c'est pas moi. Ah non, moi, je touche ouais, rien. Ouais, c'est le pape, ouais, c'est ça. Ah, c'est non, quoi le dernier truc que t'as dit de merde là? Pokesden. Mais non, c'est pas Pokéface. Pokesden. Non, Pokesden. Vous connaissez okay. pas? Ouais, arrête bon, de faire le Pokesden. Alors, vous êtes Luduchon, hein, moi je vous le dis. Hein. Mais ça vient d'où ça? Wow, le Pokesden, mais ça pue la merde, c'est quoi ce délire? Écrivez-le moi par SMS. Oula, moi je le connais que en vocal. Quoi? Bon, allez, je veux plus vous entendre parler de la soirée. Oh, c'est une bonne soirée. Ouais, vous aussi. Ouais. Bonne soirée. Ah, vous pouvez monter, monsieur. Ouais. Vous allez bien? Ah, très bien, très bien. Eh ben, qu'est-ce que vous foutiez là? C'est bien, je sais pas, je crois que je suis parti me balader encore. Ah, oui, d'accord. Devant la dame, je crois. On est taxi? Ok, j'ai envie. Oui, je suis taxi, monsieur. On est sûr? Oui, je suis sûr, oui. On est sûr, certain? Oui, monsieur, je suis sûr et certain. Par contre, vous êtes sûr? Ah, ouais, d'accord, ok. Ça me convient, vous êtes taxi, là, si vous avez du boulot. Voilà, je vous emmène où, monsieur? Ah, c'est possible au parking. Au parking central? Ouais, à côté cher. S'il vous plaît. Ouais. Parking central, vous voulez pas que je Désolé. Vous pose plutôt à côté du parking? Comme vous voulez, comme ça vous arrange. Hein, parce que le parking côté central, apparemment, il y a des gens, ils ont des mal de tête avec les remontées de dioxyde de carbone. Ah ouais, ah, c'est quoi ça, le dioxyde de carbone? Après, au pire, pour vous, c'est comme s'il y avait rien, vous voyez ce que je veux dire? Ah bah non, bon, non parce que ça, le dioxyde de carbone, oui, c'est quoi le... Le dioxyde de carbone? Ouais. C'est une drogue à base de... Ah, dites-moi plus. C'est moi qui ai le client, hein, si t'allais le chercher là. Ok, ça marche. Voilà. Ah, on parle au petit papa noir. C'est un petit peu une drogue, vous voyez ce que je veux dire, le dioxyde. En fait, quand ça vous retourne le cerveau, mais si vous en prenez trop, vous mourrez. Ah, vous en avez le cerveau? Du dioxyde? Non, mais je peux vous y emmener, vous en aurez. Ah bah ouais. Vous en voulez? Ah bah ouais. Mais c'est pas fou, hein, ça éteint votre cerveau, hein. Ah bon? Ah oui. Je vois pas. C'est un moto noir, là, qui traîne dans la zone. Vous allez bien, monsieur? Vous avez pas... Vous avez peut-être c'est besoin moi, Black. Un ibuprofène, non? Non, ça va, pourquoi? Un Vicks-Apourine? Tu manque l'exam? Non. Ouais, je préfère vous déposer ici au cas où... T'es pas en jeu, quand même. Je veux pas qu'il y ait trop de soucis, vous pouvez descendre, monsieur. Bon. Dites-moi, vous avez pas quelqu'un qui s'appelle Momo dans vos employés? Il s'appelle comment? Momo. Momo. M-O-M-O. Ouais, voilà, Momo. Momo? Momo! Mort? Ah, attendez, je vais vous dire dans les oreilles. Dites-moi. Momo! Ah, Momo! Ouais, voilà, Momo. Ah, ça ne dit rien, pourquoi? Attendez, je demande. Ah, excusez-moi, est-ce que au service taxi, ici radio, il y a quelqu'un qui s'appelle Momo? Non, pas Momo, Momo. Ouais. Momo. Oui, on a un Momo? Oui. Très bien. Vous voulez le tuer, monsieur? Eh ben, félicitez-le, parce que franchement, il est super. Ah! Il est très professionnel. D'accord. Il est super. Eh ben, je le ferai, merci beaucoup en tout cas. De la part de qui, monsieur? Eh ben, c'est, j'ai les coupons les clients là. D'accord, oui, mais c'est qui moi? Moi, c'est moi. C'est vous, de la part de vous ou de moi? Bah, de moi. De moi? Voilà, devant vous, ouais, moi. Donc, je remercie de la part de moi? Ah non, de moi, pas de vous, de moi. Bah oui, c'est ce que je dis. Donc, je vais le voir, je lui fais merci, Momo, de la part de moi. Ah non, c'est moi qui vous demande de le remercier pour moi. J'ai bien compris que c'était moi qui demandais, c'est pour ça que je vais le remercier de ma part. Bah non.
Vous vous appelez comment, monsieur? Moi, je m'appelle Tom. Vous vous appelez comment? Tom. Vang? Tom. Bang? Tom. Pom? Tom. Chong? Tom. Clon? Tom. Pom? D'accord, j'ai pas compris, donc je vous remercie de votre part. Ah, parle un peu chinois, c'est Tom Allen. Tom Allen. Ah, d'accord, Tom Allen comme l'haleine. Bon, bah, je vais si vous n'avez pas un autre client. Si, il y a un autre client. Vous voulez remonter? Ouais. Allez. Parce que moi je voulais aller au parking central, mais si je peux pas aller au parking central, bah, c'est compliqué ouais. D'aller au parking central. En magasin de vêtements. Attendez, je me permets de prendre votre GPS. Hein. Allez-y. Ici radio, vous pouvez prendre la dernière course s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui peut la prendre. C'est bon, c'est celle de 4 minutes, c'est bon. Ouais, c'est celle de 4 minutes, exactement. Merci à toi. Ouais, c'est bon, c'est fait. On va attendre un petit peu. Ouais, Johnson, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, dis-moi, je suis allé à l'Espidi là. Voilà, monsieur, c'est gratuit pour vous. Je suis allé à l'Espidi et il y a un agent qui aimerait te voir. Notez bien que demain, ce sera pas pareil. Normalement. Bonne journée, monsieur. Très bien, bonne journée. Ouais, Jameson, tu disais? Ouais, je disais, là, je suis à LSPD et il y a un agent qui aimerait te voir pour clarifier un point sur la faucheuse. Pourquoi? J'en ai rien à foutre, je sais pas qui c'est. Je sais pas. Allez, dégage. Allô? Ouais, c'est juste par rapport au. Vu qu'il y a eu une plainte de déposer, ouais. Il veut juste confirmer 2-3 choses, il m'a dit rien de bien méchant. C'est qui a déposé la plainte? Ah bah j'en sais rien. Il m'a juste dit, faut que je parle à votre frère. J'ai dit, attendez, je suis allé pas là-bas, je l'appelle, on arrondit les angles, et voilà. Okay. Donc, t'as rien. J'arrive, je suis à côté là. Ok, à tout de suite. A tantôt. Allez, go. Dispatché. Bonjour, monsieur. Bonjour. Salut, Johnson. Vous allez bien? Moi, ça va en tout cas. Oui. Il est où le commandant, la M2 délové? J'en ai aucine idée. C'est vous le frère taxi? Oui, c'est lui, Malagan. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce qu'on peut monter dans les bureaux pour parler, s'il vous plaît? Allez, montons dans les bureaux, je suis. Ouais, et vous essayez de. C'est juste pour poser quelques questions, puis ça reste entre nous, quoi. Ah, ok. Bon, allez, tout va tout, messieurs. Alors, j'avais une question pour vous, apparemment. Pour l'histoire de la faucheuse, ça s'est passé quand, ça, cette histoire de faucheuse? C'était jeudi, non? Le 26. Le 26, c'était. Mercredi. Mardi. Jeudi. Mardi apparemment. Bien. Donc mardi apparemment il y a eu des tweets avec la faucheuse comme de quoi qu'elle allait s'en prendre au taxi, tout ce qui s'en suit. Bah, je suppose que vous l'avez remarqué, nous aussi on l'a remarqué parce qu'on suit aussi Twitter. Bien sûr. Après je veux dire, je m'en fous des trucs qui s'est passé sur le côté comme vous les avez un peu provoqué, mais bon ça je m'en fous ça, après ils ont qu'à porter leur couille. Mais moi ce que je veux savoir c'est... Donc qu'est-ce que vous avez dit exactement à monsieur Mainfield pour qu'il vienne près des taxis? Qu'est-ce que j'ai dit à monsieur Mainfield pour qu'il vienne près des taxis? Oui. À quel moment? Bon, en fait, j'ai une plainte contre monsieur Mainfield. Et monsieur Mainfield, je veux dire, aurait fait des choses ce soir-là. Et apparemment, je veux dire, ce serait lui qui vous aurait. Ben, ce serait vous qui aurait envoyé un message à monsieur Mainfield pour que lui vienne un peu voir ce qui se passe, si la faucheuse venait, tout tralala. C'est possible que je lui ai demandé s'il connaissait qui était derrière la faucheuse, ouais. Après, je comprends pas trop. C'est quelle plainte qu'il a. En fait, moi, monsieur Mainfield, je veux dire, me certifie que, je veux dire, il aurait reçu des messages de votre part ou un appel. Pour lui dire en fait de venir rôder près des taxis pour justement voir si cette faucheuse montrait le bout de son nez. Bah je l'ai tenu au courant de la faucheuse, mais après vous dire exactement ce qui s'est dit, j'en ai aucune putain d'idée, bordel. Mais c'est quoi, c'est qui a fait, il y a quelqu'un qui a fait une plainte contre lui parce qu'il traînait près des taxis? En fait il s'est passé une chose ce soir là après ça c'est ouais monsieur des souffres pour radio plus moi, j'ai rentre au dépôt c'est vraiment et le souci de la plainte ici, mais bon moi je sais pour vérifier de monsieur Mainfield. Bonne soirée, bisous. Excusez-moi, messieurs, je parlais à un membre taxi. Je parlais à un membre taxi à la radio. Eh ben, on fait des bisous quand même aux gens des taxis, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, pas de problème. Non, mais écoutez, votre histoire, il s'est passé quelque chose après, et donc une personne a déposé plainte contre Mainfield. Et vous voulez savoir qu'est-ce que moi j'ai pu dire à Mainfield? Non, je veux savoir si vous avez bien envoyé des messages à monsieur Mainfield pour. Je l'ai tenu au courant de la faucheuse, oui, sûrement. Oui. Ouais, je sais que ça date, hein, mais entre temps, j'ai. Ah, bah oui, chose, ça date donc, quand même. Hein. Après, comme j'ai un laps de temps pour cette affaire, bah voilà. Alors attendez, je récapitule. Donc. Vous voulez juste savoir si j'ai demandé à monsieur Mainfield de venir au service rodé pour la faucheuse mardi dernier? C'est ça. Bah, vous voulez que je regarde dans mon téléphone parce que je vois pas trop quoi répondre. Ouais, bah allez-y. Alors attendez, monsieur Mainfield. J'ai pas dit que c'était Mainfield. Toi, j'ai dit que c'était le patron. Non, monsieur Jameson. Non. Vous êtes sûr qu'il a bien dit que c'était moi qui lui ai demandé de venir? Il a dit que c'était votre frère qui était.
chez les journalistes qui l'aviez demandé, et c'est lui qui est allé apparemment. Monsieur Jameson, votre frère, monsieur Clark. Demandez-lui à lui. Bah oui, mais je vais lui poser la question, et alors il m'a dit je vais l'appeler pour... parce que au début, je voulais juste le numéro pour vous appeler, et c'est lui qui vous avait fini en fait ici, moi je voulais juste vous appeler. Ah non, mais je crois qu'il y a un amalgame. En fait, je pense que c'est monsieur Jameson qui lui a demandé de venir au service taxi, vous voyez ce que je veux dire? C'est normal, il y en a qui vomit. Ouais, je sais pas. Les murs sont enfin à certains endroits. Ouais, je comprends, j'entends bien. Je croyais qu'on allait être bien ici, mais apparemment pas. Mais ouais, votre histoire, moi je pense que c'est monsieur. Pour le coup, vous êtes un petit peu tous. C'est monsieur. Je bois un. Voilà, putain que ça fait du bien. Un litre comme ça, cul sec, je vous le dis, ça dépote. Hein. Oui, comme je disais, je pense qu'il faudrait rappeler monsieur Jameson et il sera sûrement au courant mieux que moi. Moi j'ai. Mais prévu monsieur Jameson, c'est qui? Mais c'est mon frère. C'est lui. C'est mais il est journaliste? Bah oui, c'est le directeur des journaux. C'est son patron. C'est pas monsieur Clark alors? Mais Jameson, c'est Clark. Les deux sont frères. Mais attendez, parce que moi, il s'appelle tous les Jameson noms. Clark. Pourquoi on ne peut pas dire que c'est Clark alors? Bah, je vous l'ai dit, ça fait 2 heures que je vous dis que c'est sûrement mon frère qui lui a dit, donc le patron. Mais justement, moi je lui ai posé la question pour savoir si vous, il avait un frère taxi, il m'a dit oui, et je voulais avoir votre numéro, et il vous a appelé en fait, mais je comprends pas, voilà. Non mais en gros, écoutez-moi bien, je pense qu'il s'est passé. Moi j'ai prévenu que, effectivement, il y avait une faucheuse qui m'avait menacé, j'ai prévenu mon frère, Jameson Clark, d'accord? Oui. Jameson Clark a sûrement prévenu Monsieur Manfield pour la faucheuse, et Monsieur Manfield, il vous a dit, Monsieur Clark m'a dit d'y aller. Mais je ne suis pas Monsieur Clark, je suis directeur service taxi. Quand, oui, alors dans ces cas-là, Monsieur Manfield a dû dire, mon patron m'a dit d'y aller. Mais c'est pas moi son patron, c'est mon frère. Non, non, moi il m'a dit, Monsieur Manfield m'a clairement dit, ici en entretien, dans ce bureau même, il m'a clairement dit, je vais dire que son patron avait un frère qui était chez les taxis, et c'était vous qui lui avez envoyé le message pour dire que Monsieur Manfield devait justement rester auprès des taxis. Ah, je pense qu'il y a un quiproquo, vous devriez essayer de le revoir, hein. C'est bizarre. Mais moi parce c'est que... exactement ce qu'il a mis dans son dépôt. Dans la position qu'il a faite. Ouais, mais soit il devait être alcoolisé, soit vous êtes mal compris. Hein. Je pense pas qu'il ait dit ça. Le problème, je veux dire, c'est qu'il y a des caméras dans le bureau, ça a été enregistré, donc si, il m'a clairement dit ça. Vous voulez pas l'appeler là, monsieur Manfield? J'ai pas son numéro, moi, monsieur Manfield. Bah attendez, je l'appelle, bougez pas. C'est pas vraiment le moment, je suis assis. Parce que s'il revient sur son témoignage, ça veut dire que. Mais alors, j'en ai pour deux secondes, vous allez bien, monsieur Manfield? Oui, très bien, et vous? Oui, ça va, j'ai un petit problème là, je suis avec des agents, dites-moi oui, juste oui ou non. Est-ce que vous avez dit à ces agents dans le dépôt de plainte que je vous ai demandé de venir au service taxi? Non. Il me dit non, monsieur. Voilà, c'est tout, merci monsieur Manfield en tout cas. Donc c'est qui vous a demandé? C'est monsieur Jameson qui m'a demandé de venir avec lui pour faire attention à ce que votre personne ne soit pas mise en danger par la faucheuse. Très bien, c'est monsieur Jameson qui lui a demandé. Merci monsieur Manfield, je vous dérange pas plus. Merci, bonne soirée. Bon, c'est monsieur Jameson, je confirme qu'il lui a dit que... il devait traîner près des services taxi pour assurer la protection ou l'article si jamais la faucheuse venait. Et monsieur Jameson, c'est qui? C'est le directeur, c'est ça qui est votre frère? C'est le directeur, oui. C'est le directeur des journaux. Moi, oui. Je suis le directeur taxi. Mais c'est vous qui lui avez dit aussi, apparemment, à votre frère, que je vais dire qu'il fallait Kero de là. Ça, je sais pas. Bon, attendez, je l'appelle. Ça commence à être chiant, mais c'est pourquoi, en fait, ça réglera quoi? Parce que la plante, si elle est contre Manfield et pas contre mon frère, je vois pas où est le... Oui, mais le problème, c'est que vous avez plus dans le truc, donc moi, j'essaie de savoir si... Blanc maintenant, noir. Allô? Ouais, ça va, Jameson? Ouais, ça va et toi, Jameson? Ça va et toi, Jameson? Écoute, Jameson, ça va et toi? Ça va plutôt bien, Jameson. Eh bah, c'est parfait. Dévoir, là, je suis devant les policiers. Ouais, bah, je suis en train de marcher tranquillement devant. Ok, ils m'ont dit que je t'avais demandé de venir au service taxi quand mardi dernier. Voilà, attends, parce que j'ai dormi depuis, hein, donc il faut être un peu plus précis. Bah, apparemment, mardi dernier, pour la faucheuse, là. Ouais, ouais. Je t'ai demandé de venir guetter au service taxi, c'est ça? Je sais pas, c'est ce qu'ils me disent, hein, donc j'essaye de comprendre, mais je me souviens pas, ça remonte. Allô, Jameson? Putain de réseau. Ouais, je suis devant, là. Tu me vois, là? Ouais. Tu me vois, là? Mais non, ouais. je suis dedans, moi. Ah, t'es à l'intérieur, ok. Bref, oui ou non? Bah je sais plus moi, je sais que je me suis fait arrêter par la police là-bas parce qu'on avec Jonathan on regardait voir s'il y avait pas de l'acti avec Jonathan, ouais. Mais c'est moi ou c'est pas moi qui t'ai demandé de venir?
Je comprends plus rien, moi. Bah, je sais plus. Franchement, je là, début en blanc comme ça. Merci, mon petit Jameson, j'arrive dans pas longtemps. Bah, y'a pas de soucis. Allez, bisous, Jameson. Bisous. Ouais, c'était mon frère Jameson. Il se souvient pas du tout, il a aucun souvenir. Il sait juste que oui, il était là, avec monsieur Jonathan Manfield, pour la faucheuse, mais il se souvient pas que c'est moi. Et moi, je m'en souviens plus non plus, pour être franc avec vous. Donc, apparemment, votre frère était avec monsieur Manfield. Bah, de ce qu'il m'a dit, oui. Mais autour des taxis. Vous savez, parce que vous l'avez interpellé. Après, vous savez. Bah voilà, moi j'ai pas interpellé, moi j'étais pas là. Non, on n'a pas interpellé monsieur Manfield auprès des taxis. Si. Si. Non. Bah oui. Parce que c'est pas moi, c'est mes collègues peut-être, mais après. Sûrement. Donc, je comprends rien. Expliquez-moi une bonne fois pour toutes les enjeux ou autre, parce que j'ai rien compris, moi. Moi je comprends, qu'est-ce... donc ça va. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un fait une bêtise? Bah, j'essaie de savoir pourquoi monsieur Manfield faisait ça et pourquoi il était là. Bah, peut-être parce que pour. Parce qu'il pour... a fait. Le problème, c'est qu'il a fait des choses derrière qu'il n'aurait pas dû faire. Après, j'essaie de savoir si ces choses qu'il a fait, c'est vrai ou pas vrai. J'essaie peut-être, de savoir. Peut-être qu'il était là pour protéger son patron. Et parce que son patron, c'est mon frère, et parce qu'il y a une faucheuse qui voulait la mort de quelqu'un du oui, taxi. Oui, je comprends tout à fait, mais bon, comme je dis, j'essaye de savoir avec qui il était pour vérifier, pour voir si la personne qu'on a déposée est, pour voir si c'est vrai ou si c'est lui inventé. Puis oubliez donc pas que c'est un journaliste aussi, il doit être sur le terrain dès qu'il se passe quelque chose. Oui, je dis pas le contraire. D'accord. Mais n'empêche que j'essaye de trouver justement la libye de M. Manfield, j'essaie de l'enterrer là. Ouais, d'accord, non, bah vous savez tout, moi je sais rien de plus. Bon, on va redescendre. C'était compliqué ça. Ah bah ça, je vous le fais pas dire. Vas-y. Allez, merci là, beaucoup, messieurs, en tout cas. Ouais, Johnson, ça va. L'accueil pour le public. Merci. Au revoir, messieurs. Oh, vous avez la classe. Ouais, radio, est-ce que t'es là, Ambre? Ouais, je suis là. T'as fait une connerie ou pas, après l'histoire de la faucheuse mardi? Aucune. Bah apparemment, il y a une enquête sur toi. Ouais, je sais, c'est parce que le mec, il a dit de la merde. Il a volé une voiture et il m'a menacé. Il dit que je l'ai menacé, etc. Des conneries, encore. D'accord. Bah, après, ils sont bien chiants, alors. Très bien, merci. Allô? Oui, bonjour madame. Fuchsia, je t'attends dans l'entrée. Oui, en effet, ouais. Eh ben, j'arrive de ce pas. Eh ben, je vous attends, merci beaucoup. Bon, est-ce que Williams Morgana, ça vous dit quelque chose? Non. Négatif. Il y a quelqu'un de la LSPD qui court entre la boutique de fringues et le commissariat, là. Oui, je viens de le voir, il a été changé de casquette. Et pour la... Répète le prénom que t'as dit, Johnson? Morgana Williams. Il me semble que c'est une amie à Hamid. Hamid? Hamid le mécano, ouais. L'intermittent du spectacle? Ouais, okay. Ouais, c'est ça. C'est une pote à elle. Okay. Je les ai croisés ensemble hier. Parce qu'elle va aller au service taxi, donc... Jameson, moi je vais voir la SP. Bonsoir, vous êtes le taxi, je suppose? C'est ça. Hop, je monte devant avec vous. Hein. Y'a pas de soucis. Je vous emmène où, dites-moi? Je voulais aller au service taxi, voir si je peux trouver celle-là, mais je pense que je vais aller à l'hôpital, du coup. Ah, allez. Direction l'hôpital, vous c'est allez bien ça. Bah j'allais bien jusqu'à ce qu'on me rentre dedans quoi. Et qui vous a rentré dedans? Ah bah je ne sais pas. D'accord. C'est assez pressé apparemment. Et le monsieur derrière il va bien? Vous travaillez dans quoi messieurs dames? On est au chômage tous les deux. C'est ça. D'accord. Vous êtes un ami de Hamid non? Ouais. D'accord. Vous parlez de moi hein? Vous deux non? Ah. Bah oui c'est ça. Ouais c'est ça effectivement. Vous connaissez Hamid? Ah, l'intermittent du spectacle. Ah il est gentil hein. Et il fait des voitures de temps en temps. Ça. Ouais il mérite. C'est un brave gars. Très très brave, ouais. Et vous monsieur, vous allez bien? Bah ça va très bien et vous? Ah ça va très bien. Écoutez, on fait le boulot hein. Pour une fois qu'on a des clients, on va pas se plaindre en plus. Bon malheureusement vous êtes fait foncer dedans, c'est pas fou mais. Et vous avez pas pu appeler Hamid justement? Ah il est pas en ville actuellement malheureusement. Ah merde, et y a pas d'autres mécanos? Non, je sais pas du tout. Bah merci beaucoup. C'est lui qui paye. Bien sûr, y'a pas de problème. Ouais, mettez-la moi. Oh, je vous la mets, hein. Ouais, vas-y. Allez-y, hein. Il adore ça. Voilà, c'est juste parce que vous êtes deux, hein. C'est pour ça que c'est entre guillemets si élevé. Ouais, j'imagine bien. Tiens, c'est payé, monsieur. Même merci si beaucoup. J'ai besoin de soins, vous savez pas qui est monsieur McGallaghan par hasard? Monsieur McGallaghan? Oui. Ouais. Non, ça me dit rien, pourquoi? Vous lui voulez quoi? En fait, je voulais juste me renseigner si j'ai service taxi recruté. Je suis à la recherche d'emploi, donc j'ai un peu regardé partout et c'est le seul à qui j'ai demandé. Et vous êtes motivé? Comment? Vous êtes motivé ou pas? Évidemment. Tant que j'ai un emploi aux commotions, on va dire. Et bah, envoyez un petit CV à johnsonmcgallaghan@discord.gg et puis vous aurez une réponse rapidement. D'accord. Très bien. Bah, je suppose que c'est vous, du coup. De quoi? Je suppose que c'est vous. Eh putain d'otite, j'entends plus rien. Allez, passez une bonne journée. Que sont pas mal les taxis, hein? Ouais, pas mal. Ça s'est arrangé au commissariat? Mais là, je peux vous dire que non, y a rien eu. Tout est bien et y a aucun problème. Et bah voilà, bah c'est impeccable. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir. Du coup, ce sera classé sans suite, c'est ça? Ok, impeccable. Eh ben, c'est parfait. Bonsoir, messieurs! Bonsoir, messieurs. Moi, Jonathan, 12 ans de prison. Le 22, il est pas 12 ans, monsieur. Le mec, il s'est trompé. Il s'est trompé entre quoi et quoi, ce bolos? En fait, tu te souviens, il y a un mec qui arrêtait pas de rôder autour des taxis.
Ouais. Et Jonathan, il a appelé les flics en disant, bah c'est bizarre, le mec il passe 3-4 fois, voilà. Donc ce mec qui a été arrêté, donc nous on était avec le commandant en plus, et il a commencé à troller, il voulait pas donner son identité. Donc ils l'ont arrêté, et il y a un mec qui arrivait en... On va se mettre là, on va être bien. Il y a un mec qui arrivait en moto, et le mec a cru que c'était Jonathan sur la moto. Mais en fait, non, pas du tout. Vu que Jonathan il était avec moi et le commandant, quoi. Je te dépose quelque part. Bah au commissariat, merci en tout cas. Voilà. Tu veux quelque chose? Non, c'est bon, donc c'est bon, c'est réglé, c'est classé sans suite, voilà. Et ben c'est une bonne histoire de merde. Exactement. Ils se font chier à ce point-là ou quoi? Bah parce qu'en fait, si tu veux, pour te dire, après il y avait eu des menaces, etc. à une certaine heure précise. Bon messieurs, moi sauf je vais aller dormir. Sauf que cette heure-là, on était à l'hôtel en train de jouer à Call of Duty. Je vois juste Black avant de partir et voilà. Très bien, passez une bonne nuit en tout cas. Merci à vous aussi. On va pas merci. Tarder nous non plus là, il y a un nouveau Brutalix apparemment à 23h. Oui. Oh putain, oh bah impeccable ça. Je l'ai déjà téléchargé en 4K. Voilà, j'ai déjà fait... mis un mot sur le coup, il va tout télécharger là. Tu feras gaffe, je peux venir chercher un taxi d'ailleurs. Il y a eu un attentat. Hein. Faut que tu me déposes au garage. Ouais, il y a eu au studio Ventura. J'arrive. Un mec habillé en orange avec une tête de citrouille. Attends, viens. Tu me déposes au commissariat? Merci. Ça fera 100 dollars. Voilà. Oh, c'était tout? Non, il y a un mec qui m'a appelé. Il était à moitié en pleurs, là, le pauvre. Parce qu'il était devant son studio Ventura, là. Et il y a un mec tout de orange vêtu, avec une tête de citrouille. C'est quoi, studio Ventura? C'est, bah, tu sais, ils font tout ce qui est studio, Ventura, tout ça, tu vois. Ouais. Et ça me dit vaguement quelque chose. Ouais, voilà, maintenant qu'on en parle. Et du coup, bah, en fait, le mec a déposé une bagnole. Et il y avait du C4, elle a explosé. Donc la police est venue. Mais non. Police scientifique, machin. Le mec il m'a appelé, il était pas très rassuré. Donc je lui ai dit qu'on allait, s'arranger. T'allais faire l'article? Ouais, mais par contre, pour l'instant, je peux pas y aller. Parce que c'est sous scellé. Donc j'attends un peu. Et ça s'est passé quand? Tout à l'heure. Quoi? Mais non, on était en ville? On devait être sur la rocade quand ça arrivait. Tu vois? Donc il n'y a pas eu de blessé. Et juste lui, bah, psychologiquement, bon bah il s'est chié dessus, quoi. Ouais, bien sûr, j'entends. Bah c'est normal, hein. Et du coup, voilà, bah, je l'ai appelé, j'ai essayé de le rassurer. Il est sexy, lui. Allez, je te dépose. Benise, j'ai récupéré mon van. Salut, moi. Mets-le sur la carte. Apparemment, il y a eu un attentat quand on était sur la rocade tout à l'heure. Ouais. Donc, si vous voyez un mec habillé de tout orange avec une tête de citrouille, bah, vous lui mettez 2 balles dans le corps, hein, on t'en fout. Hein. Apparemment, C4 dans un van. Il a fait exploser Ventura. Je suis pas certain que mon couteau tire des balles. Bah, tu lances en couteau. Bah oui, couteau de lancer, c'est pas grave. Hein. Et ils ont aucune piste, rien. Bah, ils ont mis la scientifique sur le coup. Ouais. Ils ont mis la scientifique pour voir d'où l'explosion. Bonne fête et bonne ranouka, messieurs. Il y a toujours des traces dans C4, tu vois. Des traces d'où ça vient, etc. Donc, bon, ils sont en train de bosser. Ils ont pris la carcasse de la bagnole pour les empreintes et tout. Nickel. Je t'attends là. Ouais, on va me déposer à la fourrière après. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, salut. Est-ce que vous pourrez mettre un de mes véhicules en fourrière? Non, y'a pas de soucis, donnez-moi votre plaque. Bien sûr. Bon courage. Au revoir, monsieur. Bah, moi, oui, j'ai du courage. Au revoir. Au revoir, monsieur. Eh ben. On est pas aidé, hein. Je t'emmène à la fourrière, c'est ça? Ouais, tout à fait. Je vous y dépose et on rentre à l'hôtel, messieurs. Vas-y, c'est parti. Discrète, bien compris, affirmatif. Toi, un coup, tu parles. Allez, dégage. Vous allez dormir où? Moi, comme d'hab, entre les deux poubelles du taxi. Oh bah vas-y, je te suis. Ah oui, ouais, bon, il s'est gouré. Allez, vas-y. On va tous dormir à la poubelle. Mais c'est pas grave. Oui, bah, je connais un super bon garage, pas loin. Oui, ouais, et bah vous pouvez toujours attendre. D'accord? On rentre à l'hôtel, là. Donc on fera la paperasse... Ouais. Non. Mais il y aura une prime à la signature, hein. D'accord? Voilà, pas de soucis, au revoir. Tu remets l'employé? Ouais, un fameux Rosso, je vais voir ce qu'il donne. Un Rosso? Ouais. Tu le connais pas? Si. Ah. Mais on sait jamais. Il était pas taxi, lui, d'ailleurs? Les murs ont des oreilles. Non. Non, on l'avait pas remis taxi? Oh putain, mais il est con. Mais qui il est con? Qu'est-ce qu'il y a? Il vient de m'envoyer un message, il a compromis nos identités, ce connard, putain. Comment il a fait? Bah, je sais pas, il m'a dit j'ai merdé, faut qu'on change de couleur. De qui? Juste toi et lui? Ouais. Oui, il est repassé sans gré. Il casse les couilles, mais vas-y. Repasse sur Pink. Ouais, bah, je vais repasser sur Pink. Ouais. C'est pour ça qu'on a voulu prendre Black tout à l'heure pour lui dire de pas se foirer. Parce que changer tous les jours, c'est l'enfer. Bah, ouais. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on t'a pas appelé Pink. Ouais, ça y est, j'aime bien, moi. Allez. Impeccable. Un super endroit bien chaud. Et ben, en vrai. Bonne journée, Polo. D'accord, vas-y, je te suis. Rien passé de fou. Vas-y. Mais on a pu enfin parler à Black et tout, donc ça fait plaisir.